La destruction de leur serviteur premier a fait de vous la cible prioritaire de la Maison des Diables. Mais votre vieil ami Sepix Ier est de retour. Et apparemment, il est en pleine forme grâce aux symbiotes et à l'Aria. Zavala n'apprécie pas trop que les symbiotes se prennent pour des créateurs de dieux. Et je ne peux pas lui en vouloir. Donc, si je comprends bien, il est temps de retourner sur la scène de crime. Les déchus vont être ravis de nous revoir. Toujours présente dans la raffinerie. Mais je détecte aussi de nombreuses signatures énergétiques de l'Aria. Eh bien, voilà qui est nouveau. Le chemin est bloqué par une barrière de laser. Je devrais être capable de la désactiver. En attendant, ne touchez pas au laser et couvrez-moi.
rappelle quelque chose. Vous et moi, et puis une marée de diables, et leurs dieux machines furieux qui nous attendent de l'autre côté. Je vous dirais bien de vous préparer, mais je sais que c'est déjà le cas. Les symbiotes ont-ils reconstruit ces Pix, alors qu'ils ont déjà l'Aria? À mon avis, c'est peut-être une forme d'offrande aux autres diables. Ou une démonstration de force. Vous savez, en l'Aria nous croyons, et à l'Aria tout est possible. Allez-y, et montrez-leur que leur dieu n'est rien d'autre que des composants et du métal. Ces Pix, parfait! Dans toute sa gloire. Thank you.
dit que c'était le prochain grand coup des symbiotes. Créer un dieu que tout le monde doit vénérer pour prendre le contrôle de la maison et de l'éther. Je suppose qu'ils nous avaient oubliés dans leur plan. Tout sabotage de leur projet est une bonne chose. Et vous avez un certain talent pour ça. Les Vex tentent de restaurer leur Nexus en redémarrant leur machine dévoreuse de monde. Vénus risque d'être totalement dévorée, et... Devinez quoi? Nos éclaireurs ont découvert que les Vex ont amélioré l'esprit du Nexus avec une technologie issue du caveau de verre. Je peux t'aider, Cade? Non, je suis juste là pour soutenir mon gardien préféré. Je n'en doute pas. Allons démanteler l'esprit du Nexus. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu là? Dis-moi la vérité. Un chasseur n'a pas le droit d'assister à une mission avec ses amis, parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Trouvons cet esprit du Nexus. On a beau constamment détruire les maisons déchues, elles se relèvent sans arrêt. J'avoue que je serais presque surpris s'il n'y avait pas de déchus ici. Pour les déstabiliser, éliminez leurs serviteurs de contrôle. Chaque serviteur abattu nous rapproche du jour où nous aurons débarrassé Vénus des déchus. Les
puis, ça permet aussi d'ouvrir des portes. Le niveau supérieur est dégagé. Je détecte une barrière énorme un peu plus loin. Cade, merci pour ton soutien. Mais n'as-tu pas d'autres responsabilités ailleurs? Écoute, mis à part la situation actuelle, les gardiens ont l'air de gérer. Du coup, ça ne me laisse pas grand-chose à faire en tant que mentor des chasseurs de l'avant-garde. Si tu t'ennuies, le mess des arcanistes peut toujours bénéficier d'un petit coup de serpillière. Qu'est-ce que tu dis? Le signal n'est pas bon. Chaque fois que vous sautez du haut comme ça, je ressens ça dans mon propre ventre. Et pourtant, je n'ai pas de ventre. C'est marrant quand même. On dirait que les corrompus ont atteint l'esprit du Nexus avant nous.
À chaque fois que vous sautez du haut comme ça, je ressens ça dans mon propre ventre. Et pourtant, je n'ai pas de ventre. C'est marrant quand même. Affaires. Certains d'entre eux ne t'aiment pas, c'est tout. Quoi? Bien joué, gardien. Malgré les efforts de nos ennemis, Vénus continuera à tourner pour le moment.
Nous avons intercepté un puissant signal envoyé depuis la côte, près du cosmodrome. C'est Rasputin, l'esprit tutélaire. Je crois que c'est un signal de détresse. Ça serait vraiment dommage de le perdre. Il reste si peu d'admirateurs de ballet russe en ce monde. Se permettre de revivre ce qu'on a subi avec Omnigul. Allez-y, évalue la situation et aidez Rasputin. Si l'esprit tutélaire est en danger, la cité aussi est menacée. Satan approche. Selon Rasputin, il contient les codes d'accès à son bunker. Désolé que cela me prenne autant de temps, mais ces séquences et les calculs à réaliser sont extrêmement complexes. J'ai les codes d'accès. Allons-y. Je détecte des signaux de communication au fond du bunker. Le signal de détresse de Rasputin peut être intercepté par quiconque possède une radio. Si on ne l'éteint pas tout de suite, beaucoup d'autres ennemis vont le viser.
pourrait essayer de pirater son système. Mais la réaction de Rasputin pourrait être dangereuse. Il est déjà en situation de détresse. Il faut trouver un autre moyen. Plutôt en colère. Je crois même qu'il vient de... Ah ben oui, c'est bien ça. Il menace d'abattre des Warsats sur nos têtes. Dépêchons-nous. La puissance à l'état pur. Un jour, on pourra communiquer directement avec l'esprit tutélaire. Si on veut espérer construire un nouvel âge d'or, ça ne peut être qu'avec Rasputin à nos côtés. L'ingénierie de Rasputin est incroyable. Je suis surpris qu'il ne subisse pas d'attaque trop souvent. D'un autre côté, on ne peut pas dire qu'il accueille des visiteurs à bras ouverts. A été modifié pour pirater le système. Abattons-le.
savez, ils ont sûrement construit ce collecteur avec de la ferraille du cosmodrome. C'est même surprenant qu'il ait fonctionné aussi bien. Était-ce grâce à sa taille ? Il était assez gros pour un collecteur. Est-ce que je vous serais plus utile avec une structure plus imposante ? Sûrement. En tout cas, très bon travail, gardien. Nous n'aurons pas à craindre d'être attaqués depuis l'espace, du moins pour le moment. Je suis prête à vous aider. À une prochaine fois. Les chasseurs dénichent toujours des choses intéressantes. Promettez-moi de revenir pour me dire si ça vous a servi. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que vous allez pouvoir vous reposer un peu. Les éclaireurs de Cade ont fait des découvertes très curieuses. Bon, retournez au combat.
sera clôturée. Steve Fenrir des loups, la cible... La navette atteindra le pied de la tour dans 3 minutes. Je vous prie de m'excuser. On m'a chargé d'organiser le rituel du Zénith. Continuez. Faites bien attention, hein? Souhaitez-vous acheter? Le roi des corrompus a été vaincu, mais pas du tout. Voyons ces armes. Vous avez terminé. Veillez sur nous. Dites-moi, de quoi avez-vous besoin? Le grand prêtre symbiotique a ordonné à ses troupes de s'aventurer encore plus profondément sous la contrée infestée. On dirait qu'il prépare une attaque massive contre un nid de la ruche. Si les symbiotes venaient à contrôler une armée de la ruche, ce serait la fin de l'ancienne Russie. Et pas seulement de l'ancienne Russie. Neutralisez-les avant qu'il ne soit trop tard. Bien. Il y a un groupe de vieux silos à missiles près du bunker. La ruche aurait été aperçue à proximité. C'est l'endroit branché du moment? Seulement pour ceux qui, comme moi, n'ont pas beaucoup de lumen. N'oubliez pas de tirer sur tout ce qui bouge. Compris. Détecte plusieurs nodules d'Aria droit devant. Les symbiotes utilisent l'Aria pour renforcer les anciens dispositifs de défense du silo. Les portes sont verrouillées. Si vous voulez entrer, il va falloir détruire ces nodules d'Aria.
J'ai localisé un autre nodule. Je détecte un nodule de plus. Allons le détruire. C'était le dernier nodule. Les protocoles de sécurité peuvent maintenant être piratés. Avancez, gardien. Les diables symbiotiques ont fortifié cette entrée. La résistance est plutôt tenace. Ils ont dû pousser la ruche à se retrancher dans les silos. Combattez et avancez. De nouveaux pics d'énergie liés à l'arrière plus bas. Plusieurs nodules alimentent un autre obstacle. Mais je n'arrive pas à les localiser. Les données sont trop faibles. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, gardien. Trouvez ces nodules, détruisez-les et continuez à avancer. Sont assez faibles par ici. Continuez à avancer. Plus nous nous approchons d'un nodule, plus il est facile à localiser. Signaux émanant de l'aria. Il doit y avoir un autre nodule.
On dirait que les symbiotes occupent cette salle d'incubation. L'architecture bio-organique de la ruche est intacte. Mais je détecte des émanations d'Aria un peu partout. Je n'ai pas le temps de prendre la ruche en pitié. Continuez à avancer. Assez faible par ici. Continuez à avancer. Plus nous nous approchons d'un nodule, plus il est facile à localiser. Toujours de puissants signaux émanant de l'Aria. Il doit y avoir un autre nodule. On dirait que les symbiotes occupent cette salle d'incubation. L'architecture bio-organique de la ruche est intacte. Mais je détecte des émanations d'Aria un peu partout. Je n'ai pas le temps de prendre la ruche en pitié. Continuez à avancer. C'est fait. Je ne sais pas ce que ces nodules protégeaient, mais l'obstacle est levé. Vous êtes la seule chose qui puisse nous protéger du grand prêtre symbiotique et de l'aberration scientifique qu'il est en train de concocter plus bas. Finissez-en. Ça se présente mal. Avez-vous trouvé le grand prêtre ? Pas vraiment. Thank you.
Allons voir cette chose d'un peu plus près. Vous êtes sur le point de le savoir. Attention, gardien. Viens à terre. Cette chose d'un peu plus près. Je me demande ce qu'ils sont prêts à nous faire subir à nous. On dirait que vous êtes sur le point de le savoir. Attention, gardien. Attention.
quel bazar! Le grand prêtre ne cherchait pas à bâtir une armée de membres de la ruche, mais juste à utiliser différentes parties de leur corps fusionnées à l'aria. On dirait que les symbiotes adorent la bio-ingénierie. On a eu de la chance de pouvoir tuer le grand prêtre avant qu'il ne finisse ses expériences, mais... c'est à se demander... quelles sont les autres horreurs que préparent les symbiotes? Assez de temps. Perturbation résolue. À une prochaine fois. Ravi de vous aider. J'espère que ça vous sera utile derrière. Bon, retournez au combat.